l'histoire de Malek, un petit gars de 6 ans, toujours en botte. Malek vit avec sa grand-mère, Mémeline. Elle est belle, elle adore danser et elle chante dans une langue que Malek ne comprend pas. Il ne comprend pas, mais il trouve cela très beau. Ils vivent tous les deux dans une maison en plein milieu d'un terrain vague. Un homme vient souvent, avec un papier, qui dit que l'avenir de la maison, c'est sa destruction. Bizarre de faire tenir l'avenir sur un bout de papier, non? Chaque soir, Malek et Mémeline observent le terrain vague et ses derniers arbres. En ce moment, sur les cimes, des cigognes y nichent. Elle voyage, elle migre. Un soir, Mémeline fait promettre à Malek de l'aider à ramener son âme là-bas. Malek ne comprend pas tout, mais il trouve cela très beau. Alors il promet, et droit dans ses bottes, avec les cigognes, Malek s'envole. Et là l'histoire commence.